Non mais attends, Rocky, tu l'envoies où, là? À la cantine. Mais pourquoi faire à la cantine? Bah, je sais pas ce qu'il y a au menu aujourd'hui, ça me stresse. Ok, c'est bon, t'es prête, Loli? Prête? C'est simple, tu dois trouver quel film je mime. Regarde ça. Alors? Désolé, je ne comprends pas. Quoi? Mais enfin, mais c'est dingue ça! Je mime super bien pourtant! Et vous, les amigos, vous avez reconnu le film? Je suis certain que vous le connaissez. Il est sorti il n'y a pas longtemps, c'est... C'est difficile pour moi de jouer au mime. Quoi? Mais enfin, mais pourquoi? Parce que Loli est une enceinte connectée et qu'elle ne peut pas te voir, Rocky. Oh, Tahiti, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'est un truc de malade! Tahiti, c'est trop mon pote! Je l'adore! Il fait plein de vidéos sur YouTube et Twitch! Toi et moi, on est un peu pareil. On délire, on est hyper connectés. Et puis surtout, on connaît plein de choses. Ouais, bon, après, Rocky, je fais pas de mime à une enceinte. Tu sais pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle a ses limites et tu devrais le savoir. Oh ouais, c'est vrai, j'avoue. Pourtant, c'était super facile, mon mime, regarde. Attends, c'est pas... Ah mais je sais, c'est moi, moche et méchant. Non, enfin, c'était l'âge de Glacis, les aventures de Buck Wild. Oh, mais oui, c'est vrai. Pourtant, on reconnaît super bien la belette, non? C'est la base, ça! Je crois pas. Bon, bah, je te ferai un tuto mime plus tard, parce que là, on dirait que j'ai du boulot. Oh. Mais tu veux que je t'aide? Tu veux rester? Oui, oh, carrément, ouais, moi, je suis chaud. Grave! Oh, parce que là, c'est l'heure du. Colimistère! Mais attends, mais ça arrive souvent des colis avec cette forme chelou? Pour être honnête, ouais, ça arrive assez souvent. Mais t'inquiète, j'assure à mort, démonstration. Tu vois, on dirait un petit animal avec des pattes. Ouais, c'est clairement une grenouille, et je dirais même plus, une grenouille exotique pleine de couleurs. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Ouais, ou alors c'est un bonsaï, avec des petites branches qui partent dans tous les sens. Ouais, carrément, c'est vrai que ça peut être ça aussi. Et est-ce que, Rocky, je peux faire la dernière proposition? Mais ouais, fais-toi plaise! Mais bon, entre nous, j'ai déjà plié le game. Alors là, pas du tout, Rocky. Parce que moi, je parie sur le fait que ça, c'est un faux bourdon. Un faux bourdon? Oh, mais n'importe quoi! Genre, une girafe qui aurait mis un déguisement de bourdon? Et vous, les amigos, vous pensez qu'il y a quoi dans le colis du jour? Une grenouille? Un bonsaï? Ou alors... un faux bourdon? Bon, allez, 3, 2, 1... On ouvre! C'est parti! Et pendant que toi, tu déballes, moi, je dois dire de bien rester jusqu'au bout, parce qu'on va découvrir ensemble l'amigo du jour! Et ça, c'est trop la fame! Alors, c'est quoi? J'avais raison, Rocky. C'est un faux bourdon. Oh, mais enfin, n'importe quoi, Tahiti, c'est pas un faux bourdon, ça, c'est un drone. Non, Rocky. Tahiti a raison. C'est un faux bourdon. Drone est la traduction anglaise de faux bourdon. What? C'est vrai que maintenant que tu le dis, on dirait un peu un gros insecte. Surtout avec le bruit du moteur. Et tu sais, Rocky, des drones, il y en a plein aujourd'hui. T'en as des plus petits, comme celui-ci, et t'en as des plus gros pour travailler. Comme pour le cinéma, par exemple. On vient mettre une caméra sous le ventre, on les fait voler très très haut, et du coup, plus besoin d'hélico. Oh bon, allez, moi je tiens plus, on le fait voler. Ouais, mais où ça? Bah ici, à la RTBF. Hein? Tu veux qu'on aille dehors? Mais non, enfin, ici, dans le studio, c'est beaucoup plus marrant. Mais t'es complètement fou. Mais j'adore ça. C'est parti. Oh, trop génial. Il est là. Oh, mais trop bien. Et tu le fais voler super bien. Attends, t'as vu ça? Attends. Est-ce que t'es prêt, Rocky? Ouais. 3, 2, 1, dis sourire. Oh, génial! Et d'ailleurs, ça me donne une idée de dingue. Vas-y, donne-moi la commande. Mais attends, c'est quoi ton idée? Donne, vas-y, tu vas voir. Attends. Allez, Tahiti, donne! Mais attends, deux secondes! Mais donne-moi la commande! Mais... Allez, non. C'est moi qui fais maintenant! Non mais attends, Rocky, tu l'envoies où, là? À la cantine.
Mais pourquoi faire à la cantine? Bah, je sais pas ce qu'il y a au menu aujourd'hui, ça me stresse. Ah bah attends, mais tu verras quand elle ouvrira, non? Mais non, impossible, Tahiti, je dois savoir avant, sinon je tiendrai pas. Seulement j'ai interdiction de rentrer dans la cuisine, je sais pas pourquoi. Heureusement, grâce au drone, on va espionner Sylvie, malin, non? Oh, regarde, on arrive! Oh, à toi de jouer, petit drone. C'est une mission hyper importante que tu es sur le point de réaliser. Bonne chance! Hop, on passe la porte, et... Oh, regarde, c'est quoi ça? Mais non! Oh, oh non, 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 non! Allez, vite, vite, non! Oh! Alors, Rocky, bolognaise boulette, lasagne super cheese, c'est quoi le plat de Sylvie aujourd'hui? Ben, je sais pas, voilà. En tout cas, moi, je vais dire un truc, ce qui est sûr... C'est que le dessert, c'est tarte aux fraises chantilly. Oh, ben oui, mais voilà, je me suis approché un peu trop. Et puis avec les hélices, ça a fait flap, 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 flap. C'est pas de ma faute, quoi. Ouais, mais c'est pas grave. En tout cas, Rocky, j'espère juste une chose, c'est que t'as retenu qu'il y a des règles avec les drones. On peut pas faire n'importe quoi. C'est un peu comme avec la voiture. Ah bon, mais quoi? Quel genre de règles? Bon, en fait, c'est simple. Premièrement, tu peux pas voler à plus de 120 mètres de haut. Et ce qui est très important aussi, c'est respecter la vie privée des voisins. Et après, pour les drones les plus gros, là, à ce moment-là, ils te font un permis de piloter. Wow, carrément un permis! Et Rocky, peut-être qu'un jour, on se déplacera même sur des drones. Alors, je sais pas si tu connais Dubaï, c'est au Moyen-Orient, et là-bas, ils ont déjà fait des tests avec des drones taxi. What? Ah ouais, Dubaï, c'est là où il y a plein de déserts. Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, on pourra les appeler des drones Madère. Alors, c'est vrai qu'elle est vraiment très bien. Est-ce que je peux te serrer la main pour ce jeu de mots incroyable? Ouais, d'accord, tu peux. Mais profite, hein, parce que ça n'arrivera pas tous les jours. Oh là là, mais trop intéressant, quoi. Je savais pas qu'on faisait autant de choses avec les drones. Tu savais qu'on peut par exemple les utiliser pour surveiller les forêts, pour éviter les incendies? C'est trop cool, ça, non? On peut aussi surfer ou skier, mais tiré par un énorme drone. Et le mieux, c'est aux États-Unis, les gens se font livrer leurs courses et même leurs pizzas à domicile. Oh. Et attends, tu veux dire qu'il y a des drones qui livrent des pizzas? Oh, mais ce serait trop bien, ça! Oh, et d'ailleurs, si on envoyait notre drone nous chercher une pizza, ça, ce serait génial! Non, mais attends, Rocky, c'est pas une bonne idée. Notre drone, il est trop mini. Bah quoi, mini, mini, exagère pas non plus, il est pas si mini que ça, notre drone! Bon, allez, c'est vrai que là, pour le coup, t'as raison, il y en a encore des plus petits. Il s'appelle le piccolissimo, ça veut dire le plus petit en italien. Ce qui est fou, c'est qu'il fait la taille d'une pièce de 2 euros. Et ce qui est encore plus dingue, c'est qu'on peut quand même y accrocher une caméra. Bon, allez, on commande. T'es sûr que c'est une bonne idée? Tahiti, je crois que t'as pas compris un concept de base. Toutes les idées de Rocky sont des bonnes idées, ok? J'avoue que ça, c'est vraiment une bonne philosophie. Il faut toujours croire en soi. Ouais. En vrai, je trouve qu'on a beaucoup de points communs, Rocky. T'es un peu comme mon petit frère. Moi? Oh, mais grave, je suis tellement fière. Allez, hop. Ça part sur 2-4 fromages. 2-4 fromages per i fratelli. Et vous, les amigos, vous aimez ça, les drones? Vous en aviez déjà vu? Envoyez-nous des messages, des photos, des dessins. Et vous serez peut-être l'amigo du jour. Mais ouais, bien joué, c'était pile là qu'il fallait le dire. Et aujourd'hui, l'amigo est une amiga, c'est Laila. C'est lui et moi. Wow, c'est trop bien fait. Mais ouais. Oh. Oh, mais ouais, Laila, t'as trop raison, on est meilleurs amis. C'est impressionnant. Franchement. Oui, t'as vu, je l'invite à ma soirée pyjama. Mais franchement, bravo Laila, parce que c'est un super gacha, t'es vraiment trop forte. Oh, mais ouais, merci, merci, merci encore. Oh, t'entends? Ah, mais attends, Rocky. Mais je connais ça. Mais oui, c'est l'heure de... La Corée de Rocky et Tahiti. Alors, Rocky, ça a été? Oh ouais, franchement, c'était pas mal. Vraiment pas mal.